Bonjour, aujourd'hui je vous propose une émission spéciale en direct de la ville de Metz, Metz la Belle. Vous allez voir que cette ville regorge de coins secrets et très jolis. Vous êtes bien arrivé en gare de Metz, Metz ville de déco, car il faut bien le dire, Metz ville frontalière, capitale de la Lorraine, ne manque pas de lieux et de boutiques originales. Côté lieux branchés, à Metz on est servi aussi. Bar, restaurant, ici on est toujours en quête de nouveautés. Rencontre avec un décorateur, maître en la matière. Je travaille essentiellement sur des lieux publics, restaurants, bars ou d'autres endroits d'ambiance. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, des lieux qui reçoivent du public. Ici, la difficulté, c'est d'entrer dans un lieu qui est sous terre. Donc on est dans un caveau. Je voulais absolument pas qu'on voit les voûtes, donc j'ai travaillé sur l'architecture pour qu'on ait l'impression d'être dans un lieu. On ne sait pas s'il y a de la lumière extérieure ou pas, c'est juste qu'il fait nuit, donc ça peut être le soir. Mais je voulais pas qu'on ait l'impression de se retrouver sous terre. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir donner des profondeurs à l'endroit, donc pas éclairer partout, mais éclairer point par point pour cibler l'endroit qui est intéressant à voir. Donc ça permet de découper le lieu et de donner beaucoup plus de volume et de distance. Par contre, dans d'autres endroits, c'est des endroits qui sont très éclairés. Donc là, il faut travailler la lumière d'une autre manière et les couleurs. Donc travailler sur des couleurs plus chaleureuses ou même du blanc, mais donner à l'endroit une autre forme et jamais travailler de la même manière. Donc ce qui est intéressant, c'est de faire des lieux qui sont tous différents. Je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, la plus belle, c'est Metz. J'espère que autant que nous, vous avez aimé vous balader dans cette ville. Merci à tous ceux qui nous ont accueillis à bras ouverts. Moi, je vais attendre un petit peu que l'hôtel se termine ici. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, bonne déco chez vous.